Bonjour, écoutez, encore une fois, manifestement, les élus du Front National qui représentent à Marseille pas moins du quart de la population sont mis de côté, ils sont méprisés. Avouez que pour un pacte national, ça commence très mal. Donc il ne s'agit pas d'un pacte national qui a été pris ce matin, mais un pacte UMPS. C'est-à-dire que dans ce climat mafieux qui règne à Marseille, les chefs de famille politiques et responsables de la situation, qui n'ont rien su venir, qui n'ont rien su écouter, qui n'ont pas voulu écouter les sonnettes d'alarme que tirait le Front National depuis des années sur l'hyperviolence qui se développait, eh bien voilà, les chefs de famille se sont réunis entre eux pour faire savoir qu'ils allaient, d'après ce que j'ai entendu, augmenter la police municipale d'une centaine de membres, armés de quoi ? De carnets à souche, face à des gens qui sont armés de Kalachnikov. Donc encore une fois, on se moque des Marseillais, on se moque de leurs représentants, et on se moque sur le fond, car cette réunion a accouché manifestement d'une souris.